Hey mes petits sucres d'or, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve juste après l'intro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, ça sera vos pires fantasmes. Et oui les gars, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé de faire cette vidéo, et ben voilà, je vous la fais. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, ne perdons pas plus de temps, je vous laisse avec la suite de la vidéo, donc let's go. Bon du coup les gars, on commence, je me munis de la tablette, c'est plus pratique je trouve, donc voilà. Donc il y a 19 réponses en tout. Après, il n'y a pas que des mecs. Hein. Non. Après, je vais pas vous dire si c'était un mec ou une meuf parce que je me rappelle même plus. À part un qui m'a tellement choqué encore que je vais pouvoir vous dire si c'est un mec ou une meuf. Mais après le reste, je peux pas. Enfin, je m'en rappelle plus. Du coup, voilà, les gars, on commence avec la première. Genre. Après, ça, c'est le plus basique. Il y en a, ils sont trop simples. Genre. Le faire sous la douche. Donc, voilà, rien de extraordinaire, genre. On va dire ça comme ça. C'est le plus basique. Enfin, en vrai, il y en a qui veulent peut-être pas le faire. Hein. Enfin, voilà quoi. Mais, ok. Ensuite, un soir au coucher de soleil au bord de la plage en plein pique-nique. Ok, ok, pas mal. Avec un petit feu aussi à côté, non? Non, mais je dis ça, c'est une petite idée, quoi. Je sais pas, j'ai jamais fait, donc je peux pas vous dire. Mais il y en a, genre, non, un peu choqué. Parce que je sais pas si c'est... enfin, sur certains trucs, je me suis sentie visée, je sais pas. Parce qu'il y a des trucs, enfin, il y a des réponses, genre, où il dit... on lui dit, je sais pas, tu ou vous. Moi, je prends pour moi, genre. Après, on verra, hein. Je vous le dirai après. Parce que pour l'instant, là, il n'y en a pas. Je crois pas. Non. C'est ce d'après. Donc, ensuite, les gars, être avec et le faire dans une cabine d'essayage. Bon, ça aussi. Enfin, je n'avais pas pensé à ça non plus. Mais... après, cabine d'essayage, ok. Mais faut pas se faire chauffer, quoi. Genre... parce que si tu dures longtemps, genre, il y a de quoi se poser des questions, quand même. Alors, au bout d'un moment, ils vont vouloir leur cabine d'essayage, les gens. Alors, si tu dures un moment et tout... c'est horrible. C'est vrai. Hein. Ensuite, être avec et le faire dans tout l'appart. Donc ça, c'est le plus basique aussi. Genre, que tu le fasses dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre. Enfin, dans les toilettes, faut pas que ce soit trop petit non plus. Hein, parce que sinon, c'est mort. Hein. Mais bref. C'est simple quoi. Ensuite, j'aimerais me faire baiser à la chaîne. Alors là. Oui. Eh bien, pas moi. Clairement. Déjà, un, ça suffit. Alors plusieurs, non. Laisse tomber. Ah, je pourrais pas. Clairement, non. Enfin, force à toi si c'est ton fantasme, mais. Moi, je pourrais pas avoir un fantasme comme ça. Hein. Clairement. Je pourrais pas du tout. Mais bon, après, c'est toi qui vois. Hein. C'est ton fantasme à toi. Hein. C'est pas le mien. Donc, voilà. Ensuite. Le faire à trois. Non, plan à trois. Hein. Ça aussi, c'est connu. Genre. Et bah, c'est écrit. Parce que, oh, genre, en fait, il m'a écrit ça, ou elle m'a écrit ça, je sais pas du tout.
Genre, c'est écrit le fer à trois et après, espace, deux filles. Donc, voilà. Putain. Enfin. Bref. Ça, c'est le plus connu de tous. Après, moi, je sais que je ne pourrais pas, genre. Putain, je perds ma voix. Pourtant, j'ai rien fait. Ouais. Du coup, ce que je disais, c'est le plus connu de tous. Enfin, moi, je pourrais pas du tout, clairement. Déjà, hein, ça suffit. Donc, être à trois, laisse tomber, mais non. C'est pas pour moi, genre. Clairement pas. Ça m'intéresse pas du tout. Ensuite, les cas, on passe à l'autre. Donc là, j'en ai eu pas mal des trucs comme ça. J'en ai eu 3-4, je crois. Mais oh, c'est simple aussi, quoi. Enfin, voir tes pieds en cam. Genre, ok. Pas de soucis. Enfin, je vois pas à quoi ça sert, genre. Surtout des pieds. Après, il y en a qui aiment ça, hein. Mais franchement, je pourrais pas, genre. Enfin, quoi ça sert? Expliquez-moi, parce que franchement, je comprends pas. Ensuite, de coucher avec une femme trans. Ok. Que dire de plus sur cette réponse? Pas grand-chose. Après, faut aimer quoi. Je dis ça, je dis rien. Suivant, le fer en cam. Alors, celle-là non plus. Faire quoi? Genre, tu peux faire plein de choses, hein. Mais ouais, je trouve qu'en cam aussi, c'est pas top top. Parce que, genre, si vous faites ça à n'importe qui, excuse-moi, mais. Peut enregistrer. Hein. Et après, ça finit mal. Enfin, si tu connais pas la personne. Je dis ça, je dis rien non plus. Hein. Mais c'est vrai. Ça peut arriver. Et ouais, les gars. Faites attention à ça. Enfin, je sais que moi je ferais pas ça. Clairement. C'est pas mon délire du tout. Et je le ferais pas du tout. Étant donné dans le monde où on vit maintenant. Non. Ensuite, qu'une femme en couple me montre ses pieds en cam. Là, c'est pareil, les gars. Pourquoi une femme en couple? Pourquoi obligée d'être en couple? Genre, je sais pas combien de meufs sur Terre. Ils sont pas tous en couple non plus. Donc pourquoi en couple? Ça non plus, j'ai jamais compris. Expliquez-moi aussi. Hein. Parce que, genre, en couple à chaque fois, normal qu'après elle devienne infidèle. Hein. Je dis ça. J'ai rien, encore une fois. Mais genre, c'est pas mon délire, moi. Moi, je suis prise et je vais pas faire des trucs à droite et à gauche. Genre, je suis pas comme ça. Clairement pas du tout. Moi, l'infidélité, ça veut dire. C'est pas pour moi. Clairement pas. Puis, s'il faut mentir, je sais pas mentir, donc c'est la merde. Et oui. Et moi, je suis vraiment pas comme ça, donc franchement, ces fantasmes-là ne me correspondent pas du tout. Enfin, ce genre. Il y en a, ils peuvent. Dans tout ce que je vais vous dire. Mais certains trucs, hein, pas tous. Mais voilà quoi. Ensuite, alors là, c'est là, j'ai pas compris. Je me suis sentie visée un peu parce que c'est. Je vais vous dire. Mais j'ai pas compris non plus. Me faire baiser par vous, genre. Par vous. Ça veut bien dire qu'il parlera de moi. Clairement. Donc si tu parles de moi, celui qui se reconnaît quand avec cette réponse-là, genre no way, c'est pas possible, je suis prise les gars, et je suis prise, je suis couple, je suis fiancée, donc next, va voir ailleurs, tout simplement.
Ensuite, prochaine réponse, que ma voisine me drague. Alors là, franchement, c'est un fantasme de ouf. Hein. Genre, ton fantasme, c'est, enfin celui qui, ou celle qui se reconnaît, genre, si t'attends que ta voisine te drague, des fois ça peut durer très longtemps, je pense. Après, je sais pas, hein, mais quand même. Mais bon, pas mal, hein. Enfin, moi je pourrais pas, genre, dire que mon voisin me drague, genre. Non, je pourrais pas. C'est quoi ça? Ensuite, passons à la prochaine. Me faire masturber par un mec ou meuf dans un cinéma rempli de monde. Alors ça aussi, les gars, pourquoi rempli de monde à chaque fois, genre? Moi, je sais pas, hein, je sais pas vous, mais moi, je préfère être seule, qui est personne, genre. Pas là, le monde dans le cinéma, par exemple. Carrément, je préfère être seule avec au cinéma qu'avec du monde, genre. Et l'intimité, il est pas là, hein. Clairement. Mais ouais, ok. Après, c'est moi, c'est vous. Chacun a son petit truc. Bah, y en a, ils m'ont choqué quand même. Ensuite, une petite soirée à la vie. Une petite soirée en tête à tête, aux chandelles et de faire l'amour allongé sur la table. Genre, tu parles de moi là aussi? Enfin, ça doit être quelqu'un d'autre, hein. C'est pas la même personne. Mais, genre, c'est jamais. De toute façon, c'est jamais les mêmes personnes qui me disent ça. Je sais que c'est. Ça vient de plusieurs personnes, genre. Mais est-ce que. Tu. Genre. Comment dire ça? Genre, parce que je me suis sentie visée, parce que tu dis te. Enfin, je dis. Pour celui qui va se reconnaître dans cette vidéo, genre, avec cette réponse-là, sachez que non. Pas moi. Prenez quelqu'un d'autre. Et ouais. Mais voilà. Après, c'est pas mal, hein. Mais si tu parles de moi, c'est pas possible. Tu vas attendre longtemps. Hein. Je te le dis. Très longtemps, je pense même. Ensuite, se faire une soirée. Ah, bah là aussi. Mais c'est quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas la même personne non plus. Se faire une soirée baise et jouer avec des jouets et tu as les mains attachées. Donc, tu parles de moi, là, c'est obligé. Clairement. Pour celui qui m'a envoyé cette réponse, sache que ce n'est pas possible. Tu vas attendre très longtemps, toi aussi. Clairement. Et pourquoi moi? J'ai rien à voir dedans, moi. Genre, imagine, je connais même pas le mec, il me dit ça, genre. Quel genre de bail, ça? Bon, bref. Passons à la suivante. Faire l'amour dans l'ascenseur. Ok, c'est ce qu'il y a de plus simple. Genre. Après, genre, l'ascenseur, je me suis toujours posé des questions. Parce que, genre, dans les films, ok. Pas de soucis, mais on n'est pas dans les films, là. Genre. Imagine. Non, mais imaginons. Vous êtes dans l'ascenseur, vous le faites. Imaginons l'ascenseur, il arrive à son point de départ. Comment vous faites si vous vous faites choper? Oui. En vrai, moi, je me sentirais gênée de ouf, hein, clairement. Enfin, après, s'il était dans une position, voilà, quoi. Après, c'était normal, c'est bon. Enfin, ça passe, quoi, un peu. Mais voilà. Bref. Je me suis toujours posé la question, moi. Comment parce que genre dans les films, il y en a, quoi. Clairement, jamais compris.
Ensuite, alors c'est celle-là. Cette réponse qui m'a choquée, genre, parce que cette réponse-là, il est venu me parler en privé, genre. Et il m'a dit la même chose. Après, je vais vous dire, les gars, je vais pas vous mentir. Je n'ai rien pris à son délire. Clairement, j'ai dit non. Après, je vais vous expliquer ce qu'il m'a dit, clairement. Mais là, je sais que c'est un mec. Lui, je sais que c'est un mec. Donc, voilà. Donc, l'écrasement sur peluche avec scénario. Ok, on a tous compris. Genre, moi, il est venu me parler en privé. Clairement. Il m'a demandé si je savais faire ça. Enfin, si je voulais faire ça. J'ai genre, j'ai bugué, quoi. Parce que, genre, il a des clients qui lui payent. Il m'a dit ça comme ça, parce que moi j'ai d'autres clients et tout, ils me payent. Enfin, je les paye et tout. Pour qu'ils fassent ça. J'ai dit ok. Et genre, il m'a demandé si je pouvais faire ça avec des talons. Donc, il m'a demandé si j'avais des talons déjà, je dis ouais. Et. Genre, j'étais pas du tout intéressée, mais clairement, on voit. Genre, moi par politesse, je réponds à tout le monde. Mais après, si je dois bloquer, je bloque. Et celui-là, je l'ai bloqué. Parce que, genre, c'est bon. Ça force de ouf. Et moi, j'aime pas les gens qui forcent. Donc, tous ceux qui forcent leur snap, sachez que vous êtes bloqués après. Donc, voilà. Enfin, ça dépend pour des trucs, hein. Des fois, c'est pour. Genre, il y a même des meufs, hein. Genre, je reçois des messages un peu. Voilà, quoi. Ensuite, alors ça c'est le plus connu aussi, enfin je sais pas comment vous faites, mais son fantasme c'est les pieds, genre. Quel genre de fantasme ça? Je sais pas comment vous faites, hein, clairement. Ou ceux qui mentent des fois. Moi j'en ai eu sur Snap, hein. Mais j'ai fini par les bloquer aussi. Ça force de trop, ça m'énerve. J'aime pas les gens qui forcent. Arrêtez de forcer. Si on vous dit non, c'est non. Si on vous dit qu'on est en couple et que ça ne nous intéresse pas, c'est non non plus. Donc forcez pas, les gars. Ouais. Après, il y en a, ils peuvent être en couple et ça les gêne pas. Mais moi, non. Clairement. Bref. Donc, voilà. Je sais pas ce que vous avez tous avec les pieds, genre. Mais je sais que ce serait pas mon délire. Vraiment pas. Ensuite, et les gars, c'est la dernière. Ok. Me faire branler par des pieds de femme. Donc là aussi, genre, c'est quel genre de fantasme ça aussi? Surtout par des pieds. Explique-moi. Enfin, faut m'expliquer tout ça, les gars, parce que clairement. Enfin, moi, je préfère avec les mains qu'avec les pieds, quand même. Enfin, si je devrais le faire, c'est pas avec les mains. Ah, c'est pas avec les pieds, pardon. Elles m'ont tellement perturbée aussi, ces réponses-là, que je réponds n'importe quoi. Mais bref. Non, alors moi, si, par exemple, genre, ça, c'est un mec, c'est sûr. Mais genre, s'il voulait que je lui fasse ça, par exemple, imaginons que c'était mon mec. Genre, j'aurais préféré faire parler les mains, pas par les pieds. Hein. Clairement. Mais bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, ça m'a choqué de ouf. Mais voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter en bas de la vidéo et surtout à t'abonner à ma chaîne, c'est super super important. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye mes tissus redorge.